précurseur des recherches sur l'ère antédiluvienne. Ignatius Donnelly fut le pionnier de cette discipline bien avant les Bergier, Charroux, Hutin et autres Hancock, Beauval et consorts. Son ouvrage, Atlantis, le monde antédiluvien, date de 1882 et est le premier best-seller mondial qui perdure depuis plus de 136 ans. Constamment réédité de par le monde, ce texte fondateur des études modernes sur l'Atlantide, mythe ou réalité, inspira pourtant largement la plupart des grands auteurs de la littérature fantastique du XXe siècle, Lovecraft entre autres. Ce livre, qui fut à l'origine de la carrière d'explorateur de Dominique Jongloud, l'un des plus éminents spécialistes de cette discipline qu'est la néo-archéologie, a été traduit pour la première fois en français à partir du manuscrit d'origine, avec quelques rares libertés pour aider à la compréhension du sujet. Vous vous apercevrez, à la lecture de celui-ci, qu'une majorité d'ouvrages d'auteurs ultérieurs n'ont fait que reprendre les découvertes faites par Donnelly. Cet ouvrage est une base essentielle pour qui se lance dans la recherche assidue de la vérité sur nos origines et sur celles des civilisations qui se sont succédées au cours des millénaires. Il était temps de publier une version française non interprétée, reproduisant ainsi fidèlement le discours de l'auteur, et qui délivre, dans son intégralité et son authenticité, le message du pionnier diffusionniste. L'ouvrage, au format A5, en 2 tomes, contient de très nombreuses illustrations. Un monumental ouvrage que tout érudit se doit d'avoir dans sa bibliothèque.